Bonjour à tous. On commence cette semaine ensemble par une balade avec les chiens pour profiter de la nature et de ses magnifiques fleurs. Ça fait du bien et j'avais envie de vous embarquer avec nous pour que vous puissiez aussi en profiter. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de produits ménagers écologiques sous forme de petites pastilles. Donc la marque Clinique m'a envoyé leur kit découverte, leur kit de démarrage, à repenser un peu le produit ménager parce qu'il arrive sous forme de petits comprimés et ensuite on n'a qu'à dissoudre ce comprimé dans de l'eau dans sa propre bouteille pour faire son ménage et du coup nous pouvons avoir tous nos différents produits d'entretien sous cette forme là qui permet d'éviter par la suite aussi tout ce qui est emballage superflu, jeter des bouteilles. Mieux que recycler, il y a ne pas créer le déchet à l'origine. Recyclable ne veut pas dire forcément recycler. Pour la première fois, on peut commander les bouteilles, mais on peut aussi simplement commander les petites pastilles effervescentes composées des produits dont on a besoin. On peut simplement les commander pour utiliser nos propres contenants si on a envie, ou on peut aussi les recommander pour se refournir et re-remplir. Ils m'ont envoyé le kit pour pouvoir vous le présenter. En dehors du côté sans emballage, il y a aussi le côté avoir vraiment des produits respectueux de notre santé et de l'environnement. Donc ils sont fabriqués en Allemagne, biodégradables, végétaliens, sans microplastique. Bref, une composition propre parce qu'en plus j'ai été regarder les compositions aussi. Donc dans mon kit de démarrage, j'ai choisi le nettoyant multi-usage. Donc ça c'est la bouteille vide que je réutiliserai à chaque fois pour faire cette petite préparation. Le nettoyant pour la salle de bain et le nettoyant pour les vitres. Pour aller avec le nettoyant multi-usage, j'ai deux comprimés de nettoyant multi-usage, deux comprimés de nettoyant pour le bain et deux comprimés pour fabriquer le nettoyant pour les vitres. Au passage, il faut savoir qu'ils plantent aussi un arbre à chaque commande. Ça me plaît. On va passer au petit côté DIY ménager de cette préparation de nettoyant. La partie où on va faire fondre, dissoudre la petite pastille. La première chose que je dois faire, c'est remplir mes flacons d'eau. Simplement de l'eau courante du robinet. Parfait. En fait, c'est hyper simple. Je vais remplir mes bouteilles et je reviens. Donc, les bouteilles sont remplies avec de l'eau du robinet. Et ensuite, simplement mettre la tablette dans la bouteille pour qu'elle se dissolve. Donc, le nettoyant multi-usage, ma petite tablette. La tablette est rose. On la met dedans. On voit qu'elle est en train de se dissoudre. Ça va sentir bon le nettoyant. C'est le nettoyant pour les vitres. J'imagine qu'il sera bleu. Yeah, bleu clair. Et ensuite le nettoyant pour la salle de bain. D'un joli petit jaune. Où est-ce que je suis censée le mettre? Comme ça? Ah bah oui, bah c'était aussi simple que simplement le... Voilà, les enfants le font pour jouer. Vous avez vu, donc c'est super simple. On remplit la bouteille, on y met la pastille et une fois que c'est dissous, on peut aller nettoyer. Je vous ai donc présenté en collaboration avec Clini le kit de démarrage. Il y a plein d'autres kits sur leur site internet si vous avez envie d'aller découvrir leur boutique. Pour vous, il y a un code des réductions qui est MADEMOISELLEBLUME30 pour 30% de réduction sur l'ensemble de leur boutique en ligne. Je vous mettrai le lien et toutes les références en barre d'infos ainsi que le code de réduction si vous avez envie de faire cette expérience de produits ménagers durables sous forme de comprimés effervescents. En tout cas, le concept me plaît bien. Et je crois que on va pouvoir passer au ménage. On va faire pchit pchit et on va tout nettoyer.
J'adore les vidéos Clean With Me. Ce sont ces vidéos où on est embarqué dans les routines de ménage d'une personne en particulier. Je trouve ça toujours hyper motivant, hyper inspirant, très satisfaisant aussi. Après, j'ai juste envie que ça soit propre chez moi et c'est plus facile de m'y mettre. Donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir vous embarquer dans un petit ménage avec moi parce que c'est des vidéos que j'aime bien regarder également. Donc là, vous me voyez dans les salles de bain, m'occuper des lavabos, des miroirs et des meubles. J'ai vaporisé le produit de nettoyage pour la salle de bain sur toute la surface du lavabo avant de frotter. Et je suis ensuite venue rincer avec l'autre côté de l'éponge avant de passer au-dessus au miroir. En général, on nettoie de haut en bas. Mais si je fais dans cet ordre-là, c'est parce qu'après avoir nettoyé le miroir, du coup avec le nettoyant Cleany pour les miroirs, pour les vitres, ah oui, je fais aussi le dessous du miroir, eh bien je repasse sur le carrelage et sur le lavabo et je descends ensuite sur le meuble. Ça me permet en même temps de bien essuyer toute petite gouttelette qui serait restée sur la surface du lavabo. Donc c'est pour ça que je le fais dans cet ordre-là. Un petit coup sur les différents objets avant de les replacer. Et voilà, c'est tout propre. Mercredi, on partage avec vous une commande que nous avons passée avec mon chéri sur le site de Mappyful. Il s'agit de cartes d'un lieu qui nous a beaucoup marqué et d'un événement, les étoiles, au moment de notre mariage, la carte du ciel. Ça donne bien, hein? Mais regardez, vous comprenez pourquoi on a choisi les étoiles le jour de notre mariage. Et puis cette carte de Båstad en Suède, qui est un endroit que nous affectionnons particulièrement. Donc voilà, notre jolie commande, on a tout choisi ensemble, les couleurs, la taille, la localisation précise qu'on voulait avoir sur la carte, sur les deux cartes, parce qu'il y a également les coordonnées sur la carte des étoiles qu'on va vous montrer. On a tellement adoré le concept des affiches personnalisées qui célèbrent nos histoires dans ce type de déco un peu scandinave, que lorsqu'on nous a offert le premier, on a commandé de nous-mêmes le second en ajoutant le supplément parce qu'on était très emballés par le concept. Donc c'est toi qui choisis, on a pris exprès. Tu veux mettre celle-là d'abord? Je mets les deux. Comme ça, quand on veut inverser dans le cadre selon la période. Mappyful se veut être un produit de haute qualité avec des choix de matériaux durables comme du papier certifié FSC qui est imprimé aussi proche de chez nous. Ça permet de réduire les émissions carbone jusqu'à 67% sur chaque commande. Je trouve un peu jaune là par contre le cadre. Ouais, le cadre n'est pas. Mais c'est là où je me demande où on aurait peut-être dû prendre le blanc dans les options. J'attendais impatiemment de recevoir notre commande Mappyful pour pouvoir refaire la décoration de nos étagères au salon. Donc petit coup de nettoyant multi-usage avant de passer à la décoration printanière. C'est chouette de pouvoir le faire avec vous, comme ça je vous explique un peu ma réflexion pendant que je décore. J'ai assemblé des éléments selon le thème de la belle saison que je voulais utiliser. Donc j'ai certains bibelots que j'ai ramenés de Suède ou qu'on m'a offert ou que j'ai récupéré. Donc je suis partie sur le côté
fleuri sur tout ce qui est blanc, crème, tout ce qui est rosé. J'ai également ajouté une touche de vert et une pointe métallisée que j'aime régulièrement garder dans la décoration. Là, c'est une espèce de vieil or qu'on retrouve sur certaines des pièces que j'ai assemblées. J'étais pas tout à fait sûre, j'ai rajouté une deuxième illustration, je l'ai enlevée et depuis la vidéo je l'ai remise. Sur l'étage du haut, un Potus Marble Queen et un Epipromnum Pinatum avec une petite baguette de sélénite, un cache-pot cactus, une photo de notre mariage, deux petits vieux livres que j'ai récupérés d'une personne que j'aime beaucoup. Avec une bougie, des petites fleurs, des bougeoirs, un arrosoir, un vase qu'on nous a offert pour notre mariage avec des fausses fleurs dedans, une pyramide dans une pyramide, une magnifique horloge qui vient de Londres, des bougeoirs, notre magnifique carte des étoiles au moment même de notre mariage, on a dû renseigner l'heure exacte, un bibelot boîte vintage, un vase, avec du faux eucalyptus rose et des bougeoirs, dont un bougeoir en pierre de sel. Ce jour-là, pour nous, c'était entretien du salon. Alors, vous le voyez pas souvent en vidéo, hein, mon cher et tendre, mais il est bien là et on fait ça ensemble. J'ai commencé à tester une marque suisse de bougies parfumées, Hello Candle. Donc là, on a la senteur du Machu Picchu, fleur de coton. C'était mon choix pour le printemps parce que j'adore adapter les bougies, les fragrances à la saison. Et celle-là a une composition clean, d'où le test que je suis en train de faire. Et en parlant de lumière, voici ce que donne l'étagère avec mes guirlandes de LED allumées. Elles sont sur minuterie automatique, donc j'ai pas besoin de m'en occuper. Elles s'allument dès que le soir arrive. Aujourd'hui, on s'est installé dehors avec les toutous. Oh. Je voulais prendre un moment pour vous parler de notre routine ménage et de notre routine ménage de printemps. Je pense que ça peut être utile pour toutes les personnes qui ne peuvent pas, pour diverses raisons, faire un gros ménage d'un coup. Et voilà, notre technique de ménage, elle a mis du temps à se mettre en place. Elle est toujours pas parfaite, on a un idéal et puis bah, après on essaie de s'en approcher, ça nous donne un peu l'objectif et puis on s'adapte autour. Nous, notre routine idéale, comme vous l'avez déjà vu dans ce début de semaine, en fait on fractionne selon les jours ou selon les tâches à faire. Donc concrètement, pour nous, le lundi c'est pour la cuisine, le mardi c'est les salles de bain. Le mercredi, c'est le salon et les sols. Les sols ont comme objectif de nettoyer les sols, bah, du coup, dans tout l'appartement. Le jeudi, c'est l'entrée et les extérieurs.
Le vendredi, c'est les chambres à coucher et on tourne un peu autour de ça. Alors bien sûr, c'est quelque chose de très mobile. Il y a des jours où on peut pas, on fait autrement. Il y a des semaines qui sont pas du tout dédiées au ménage. Mais en fait, le fait de faire petit bout par petit bout, ça nous permet de ne pas avoir une journée entière à dédier au ménage. Et ça vient, il me semble, de la méthode Fly Lady. J'avais lu le livre il y a pas mal d'années en arrière et c'était pas mal en fait de pouvoir voilà fractionner au fur et à mesure des jours de la semaine ou voilà sur le long terme sur les jours qu'on peut dédier au ménage ou pas, parce que du coup c'est un tout petit moment dans la journée plutôt que toute une journée. Donc ça voilà, c'est la première astuce pour le ménage quotidien. Ensuite, le ménage de printemps. Donc le ménage de printemps, en général, c'est au printemps qu'on place toutes les tâches de nettoyage qu'on fait pas vraiment au cours de l'année, les choses un peu plus grosses comme par exemple les vitres, sous les tapis, derrière les canapés, au-dessus des meubles, dans les placards, enfin toutes ces choses qu'on nettoie pas, on va dire, au quotidien. Donc nous, c'est aussi quelque chose qu'on fractionne sur principalement la période du printemps, mais on peut aussi le faire à d'autres moments de l'année où en fait, ben, une des fois où on s'occupe des vitres de la salle de bain, on va aussi faire le dessus des portes et le dessus des meubles. Une des fois où on s'occupe de l'aspirateur et des sols, ben, une de ces fois-là, on s'occupera de sous les tapis, etc. Ça permet de toujours cette idée de fractionner, de pas devoir faire le ménage à fond pendant une semaine parce que c'est pas dans nos possibilités. Pour ceux qui ont la possibilité de le faire et qui aiment le faire comme ça, ben, c'est très bien. Maintenant, chacun doit trouver ce qui lui correspond et nous, c'est vraiment cette façon-là de faire qui colle pour mon mari et moi sur nos possibilités, sur le temps, sur les efforts qu'on peut donner dans le ménage. De fractionner et de faire en plusieurs séquences comme ça, c'est vraiment l'idéal. C'est tellement agréable le petit bruit des oiseaux dehors. Donc voilà, je m'étais dit que ça serait bien de partager avec vous un peu notre routine ménage parce que il n'y a pas un standard universel pour faire le ménage. Avant, on avait cette idée qu'on faisait le ménage sur un jour de la semaine, et c'était le samedi. Mais voilà, ça correspond plus à notre vie, à nos possibilités d'aujourd'hui. Et nous, fractionner, c'est vraiment la clé, ce qui est adapté pour nous, ce qui nous permet d'entretenir notre appartement. Il y a aussi du plaisir de voilà, juste faire la petite chose qu'il fallait faire ce jour-là et d'avoir le sentiment d'accomplissement, d'avoir fait quelque chose la petite checklist où on coche ok c'est fait, c'est toujours agréable. Et puis ben, si on peut pas un jour, ben, c'est pas grave, et peut-être que ça peut aussi ben, vous donner des idées. Je sais pas comment vous organisez, ça peut toujours être bien d'échanger à ce niveau-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos astuces et vos organisations au niveau du ménage, au niveau du nettoyage, parce que c'est toujours voilà, intéressant de savoir comment ça se passe ailleurs aussi. Ça permet de prendre ce qu'on a envie de prendre et de laisser ce qui ne nous concerne pas. Ils se sont endormis. Vendredi, je vous retrouve sur mon potager de balcon. Il était grand temps de planter mes bêtes, je suis un peu en retard. Donc j'ai enlevé les mini salades que j'avais mis à la place, elles vont nourrir une tortue. Et j'ai fait des petits trous pour pouvoir déposer mes graines de bêtes. Les graines de bêtes que vous voyez là. J'en ai planté beaucoup plus, elles sont assez serrées, mais je me suis dit que j'éclaircirais au fur et à mesure qu'elles grandissent en cas de besoin. Et de toute façon, ce sont des bêtes à tondre, donc je ne pense pas les laisser trop grandir. On verra ce que ça donne. Je m'étais dit que je préfère en enlever que me dire après coup que j'aurais dû en planter plus. Avec leur petite étiquette, c'est une bonne chose de faite. Et maintenant, concernant les oignons à tige,
ça, ce sont ceux qu'on a semés et ça, ce sont ceux que j'ai semés. En fait, les premiers, on les avait semés directement en terre et les deuxièmes que je suis en train de dépeter là, je les avais semés après coup en intérieur et ils ont poussé de fou. Donc, j'ai décidé de venir les replacer à l'extérieur, à côté, à la place presque, de ceux qu'on avait semés ensemble dans un vlog de balcon. Là, pareil, pour ces oignons à tige, ils sont plusieurs à être semés en petites mottes, comme ça. Et ça ne me dérange pas parce que, pareil, je pourrais toujours un peu plus éclaircir et je compte les consommer avant qu'ils aient leur taille adulte, progressivement. Donc, c'est pas grave s'ils sont aussi serrés pour le moment. Donc j'arrose un petit coup quand même mes plantations, mais ils ont eu droit à une bonne douche un peu plus tard. J'ai profité de ce moment jardinage pour semer ma camomille. J'ai des toutes petites graines de camomille, j'en avais jamais vu. C'est vraiment presque de la poussière, on dirait du poivre moulu. Donc voilà, je l'ai semée recouverte d'une très très fine couche de terre, à peine quelques millimètres, un ou deux maximum. Et j'ai bien arrosé. J'en ai mis également au pied d'un de mes arbres, à côté des tagettes. Donc j'ai rajouté également un tout petit peu de terre fraîche en fine couche par-dessus. Et j'ai bien arrosé. C'est la première fois pour moi d'essayer de faire pousser de la camomille. Donc on verra ce que ça donne et j'espère pouvoir m'en servir pour mes petites tisanes. Aujourd'hui, je m'installe avec vous parce que je me suis dit que j'allais vous faire un petit unboxing. Dans la catégorie produits durables, j'ai reçu un petit colis découverte avec des produits cosmétiques. Donc avec des compositions clean, bio, tout ce qu'on aime en fait, non testé sur les animaux, etc. Donc je me suis dit qu'on allait découvrir ensemble. Et ça a l'air d'être emballé dans des petits colis, dans des petits paquets cadeaux, c'est trop mignon. Des ballons. Ouh, il y a plein de trucs. Douche bar de chez Gelu, vegan, hein, une sorte de savon, une barre de douche. Ensuite, il y a le shampoing. Lavande romarin, génial. Ah, c'est trop bien, il y a trop de trucs. Douche butter. Du beurre de douche. Ah, on applique ça sur la peau mouillée après le bain pour l'hydrater. Une crème pour les mains en stick. C'est drôle, c'est, finalement c'est comme... c'est comme un beurre pour les lèvres, mais pour les mains. Donc ça, c'est de la marque Gelu, donc de la cosmétique bio, nature, vegan, fait main. J'adore. Là, c'est... Il y a vanille orchidée, oh là là. C'est un déodorant naturel, vegan, 100% d'origine naturelle, avec du bicarbonate de sodium. On essaiera. Donc ça, c'est de la marque Ben & Anna. Protection efficace sans aucun produit chimique, déodorant naturel, vegan, sans gluten, sans sel d'aluminium. Et ça, alors, c'est vraiment quelque chose à surveiller dans les compositions de tous les déodorants sans sel d'aluminium. C'est très, très important. Alors là, c'est des vernis. Oh, London Town, trop cool. Oh, trop, trop bien. J'ai trié ma collection de vernis à ongles avec vous en vidéo pour par rapport aux tests sur les animaux, par rapport aux compos, tout ça. Je suis très, très attentive. Donc, on a le base coat, le rouge et le top coat. Donc ils sont nine free. C'est 109 des substances chimiques les plus courantes dans les vernis à ongles. Du coup ça c'est génial avec un cocktail de vitamines. Vegan, sans gluten, non testé sur les animaux. Oh, j'adore. C'est génial.
Je suis hyper curieuse de voir le pinceau. Je veux voir le pinceau. En plus, c'est des pinceaux vraiment bien larges, avec le bourron. Superbe, très chouette surprise. J'ai découvert, je crois, London Town sur le compte Instagram de Zaël. Et ça m'avait interpellée. C'est un baume à lèvres de chez Crazy Rumors et Blueberry Lemon, avec aussi du beurre de karité. Donc pareil, vegan, sans gluten, non testé sur les animaux. Il y en a tellement de goûts, de saveurs différentes, parce que j'imagine que hibiscus. J'imagine que ça a le goût également. Ça, pareil, les beurres pour les lèvres, tout ce qu'on met sur les lèvres, il faut être conscient que ça s'avale à force au fur et à mesure de la journée. Et c'est aussi pour ça que la composition doit être propre. Ah, ça, je suis contente aussi d'en avoir un de... Il est très agréable sur les lèvres en plus. Ouais, cool. Bon, allez, il en reste un. Ah, ça, c'est le savon de chez Dr. Brunners. Celui-là aussi, je l'avais vu chez Zaël. C'est un savon 18 en 1 à la menthe poivrée, savon pur végétal. C'est un savon avec une composition très très propre. Propre pour un savon. Produisant des cosmétiques naturels de la plus haute qualité, respectant les normes sociales et environnementales. Les bénéfices récoltés sont utilisés pour faire de notre monde un monde meilleur. Cool. Douche, visage, mains, shampoing, lavage naturel, nettoyage des sols, soins aux animaux, bain de bébé, savon à fruits, protection des végétaux. Ouh, ça c'est intéressant. À voir. Inhalation. Liquide vaisselle, bain de bouche, nettoyage dentaire, rasage, détachant, additif de bain, nettoyant pour pinceau. Il sert à tout. Du coup, il doit être hyper doux pour aller aussi avec le visage. Je me réjouis de le tester. 2 à 3 fois plus concentré qu'un savon liquide conventionnel. Je suis entourée de produits. Donc merci beaucoup à l'agence qui m'a envoyé un petit colis avec toutes ces marques. Le choix des marques, vraiment, il correspond à 100% à mon éthique de consommatrice, avec des produits naturels, des compositions clean, non testées sur les animaux. On est vraiment dans une optique durable, écologique. Et apparemment, ben, avec les compos, c'est des produits de qualité. Et en limitant les emballages, celui-là, on peut l'utiliser ben, pour plein de choses différentes. Les produits solides, ben, le carton, on le recycle. Et produits de douche solides, ça veut dire pas de flacon plastique. Et ouais, les vernis, ça va être chouette à tester. Et le baume, sérieusement, il est chouette. Il est très très agréable. Et clairement, il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, merci beaucoup. Et j'espère que ce petit moment découverte de marque clean, ça vous aura plu aussi. Dimanche, j'ai reçu un tout petit bouquet trop mignon que mon mari a accueilli pendant sa balade avec les chiens. Nous avons profité avec gratitude du balcon, de tout ce que nous avions accompli cette semaine-là et de tout ce que ben, la nature nous offrait sur le balcon également. Donc je vous fais un petit tour des plantes, des fleurs, des plantations, des fraises, du potager, de toute cette verdure qu'on a sur le balcon. On a déjà sorti le figuier pour qu'il puisse profiter du soleil du bon côté de l'appartement. Les autres plantes viendront bientôt le rejoindre de ce côté. On fera ça ensemble dans le prochain vlog de balcon.
apéro, on s'est fait le plaisir de manger nos deux premiers radis. Alors les autres n'ont pas encore vraiment poussé, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ces deux premières petites perles roses, on les a dégustées. Et c'était pas mal du tout avec chacun un petit cocktail. Qu'est-ce qu'il y avait ? On a terminé ce dimanche tranquillement. Et je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.